Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Break 329 et 4 boîtes, rien de moins qu'une de cop, une clear cut, une artefact et une 2021 hobby de cette année. Euh, mais avant de commencer, je vais attendre un peu euh, qu'on soit au moins 15-20. On est 13 en ce moment, j'imagine qu'on va monter à plus que ça dans quelques instants parce que j'ai tagué tout le monde, je vais attendre que tout le monde arrive. 19h30, heure de break.

on a des, des grosses boîtes, on a des grosses boîtes, on a des grosses boîtes. Et là, on va regarder combien de fois on doit brasser la soupe. Si je vais commencer ça là. Ça fait déjà 3 minutes que le live est commencé. Ça fait 4 secondes que ma face est là. Mais c'est pas grave. Ouais, toujours bien, toujours bien, toujours bien. Ça va toujours bien, toujours bien. Et là, bientôt, en tout temps passant, nouveauté chez Savage. Lorsque vous allez prendre un tracking. Oups. Donc, lorsque vous allez prendre un tracking. Parce qu'il y en a certains qui le prennent à chaque semaine. Lorsque vous allez avoir... Le tracking, si vous l'achetez, vous pourrez aussi avoir accès à, ce on a, à une section qui va être la, la boutique en ligne pour les accessoires. Donc, si jamais vous désirez, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, ça ne me dérangerait pas de vous vendre un, un paquet de sleeves ou un paquet de top load. Par contre, ce qui dérange, c'est que ça va coûter 15$ de frais à cause du format et du poids. Et là, si je vous disais, si vous voulez avoir un top load à 25$, vous allez me dire, mange la merde, ça va être trop cher sauf que si vous payez le tracking à ce moment-là on peut rajouter des trucs comme des top -loads. fait que si vous achetez le tracking vous allez avoir accès à une section où vous allez pouvoir vous acheter des sleeves des top-loads de toutes les grandeurs des, euh, des écrans des trucs protecteurs là, pour euh, vous euh, mettre ça dans un, ce qu'on appelle plus connu maintenant des one touch euh, des trépieds etc etc donc j'ai pensé à ça et c'est ce qu'on va faire si jamais vous en voulez euh, Jean-Michel Biron salut j'espère que tu vas bien euh, et on regarde ça on regarde ça. Let's go. On va brasser ça combien de fois? Ce salade de fruits-là, 7 fois. Donc Hugo nous a appris que c'était le... Quand on a 2D, c'est le chiffre qui probablement va arriver le plus souvent. C'est celui qui te donne le plus souvent. Les probabilités. Et on va faire un final round! Pourquoi? Pour faire un break. Faire un break. Faire un break. Ok. Oh, randomize longtemps. Et Mathieu Cormier qui va se retrouver avec les Bruins de Boston, Simon Poitras les Sabres, Vincent Bergeron se retrouve avec les Hurricanes, Dave Laroche les Ch Black de Chicago, Frank Balavance avec l'Avalanche gros team, les Blue Jackets, Jean-Michel Biron, et là on va viser là Alexandre Tessier, euh, évidemment, les Alors, ensuite Dallas Star, Yannick Gosselin qu'on salue, les Red Wings et les Oilers pour François Fleurent, ça peut être très 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 payant ça, les Oilers, les Kings à Steve Robitaille, le Wild, à les Seb Lécuyer. Tommy Gagnon, que le Canadien, ainsi que les Prédateurs. T'avais raison, Jean-Michel. Nashville s'en va à Tommy Gagnon. Mais il y a les Canadiens. Éric Leblanc, les Devils, à France -Leblanc à coups, les Niners à Francis Leblanc, ou les Grenon, les Rangers, les Sénateurs à Maxime euh, Vincent, Benoît Boulay, les Flyers, Tommy Gagnon, les Pingouins et les Blues. Ensuite, françois Florent, le Lightning. Christophe Grenier se retrouve avec les Leaves, les Canucks à Michael Asselin, JP Petit, les Capitals et Knights à Tommy Gagnon qui complète ça. David de la Chabretière se retrouve avec les Jets et les Coyotes. Donc on va vouloir avoir une petite euh, Barrett et j'imagine. Phil Grenier, Doc Panthers et François Fleurant, Saint-Nosé-Calgary. Et live scene. Et là, on a quatre boîtes. Quatre belles boîtes, les chums. Quatre belles boîtes. Et on met ça comme ça. Vous devriez voir les noms apparaître sur le côté. Évidemment, la De cup on va la garder pour la fin. Hmm? Salut, Tommy gagnant 5 spots, dont le Canadien. Félicitations. Suzuki, ça pourrait être pas pire. La Clear-Cut, c'est celle qu'on va faire en deuxième avant-dernière. On va commencer avec la série 1 et on va aller ensuite avec la Artifact 2021. Donc, on a du 19-20 et du 20-21 ce soir. Donc, euh, aux dernières nouvelles, le break de foot n'était pas complété. Il reste 4 spots et, et si vous voulez euh, qu'on fasse ça à soir, ben là, si c'est plein quand je finis ça, on va le faire. Sinon, je vais faire un mini, pis si le mini se remplit, on va le faire ça ce soir. Euh, parce que c'est ça. Et moi, j'ai soupé, tant de soupé. Hein, Super. Et on y va. Hey, break 329. Que du plaisir. 330. Là, je sais pas, si vous avez vu, j'ai rajouté. Fait que, en passant, Tommy, euh, si jamais tu désires. Pour les prochaines semaines, comme j'expliquais, lorsqu'on a le tracking. Et toi, tu as atteint le niveau de GOAT, étant donné que tu as à 7 points avec les, le temps, euh, pour avoir le tracking gratuit. Donc, si jamais tu veux avoir des accessoires comme des top loads, des trépieds, euh, des sleeves, des, euh, des séparateurs, des boîtes pour placer tes cartes, peu importe, tu viens nous voir et on, on, on peut te faire une facture en ligne et on peut te shipper ça. Si tu veux. Donc, parce qu'habituellement, si vous voulez ça puis vous êtes prêt à payer 15$ de shipping, mm -hmm. Non, on va vous choper ce que vous voulez. Mais c'est juste que euh, c'est pour ça qu'on ne propose pas là, habituellement. Mais là, si vous prenez déjà le shipping pour vos cartes, mais ben là si vous voulez des accessoires, il va y avoir une section maintenant qui mm -hmm. va être disponible le temps qu'il y a le shipping. Mm -hmm. Et là, savez-vous quoi, ce soir, j'ai décidé que la de Cop, la, la j'allais l'ouvrir avec des gants. Juste voir. Parce que j'ai essayé ça dans les premiers breaks. J'avais de la difficulté. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Pas en tout. Je faisais. On dirait que c'était plus difficile. C'était plus dangereux pour les cartes qu'à main nue. Et là, on devrait avoir. Je pense qu'on va avoir une variante. Où on a-tu eu la ah, oui. On a une variante ici de Corner Murphy. Pour les Harley Blackhawks de Chicago. Et voilà. Et là, on va y aller. Avec... Mais le son, mais... Ah, oh, son, là. son, là, mais beaux! Mais... voilà. Mmh. On aime ça comme ça. Et on y va. Bonne chance à tous. Young Gun de Ardem Zagidoulin. Pour les Flames, une checklist. Et là, il devrait nous rester une seule carte. Et c'est une canvas de Jean-Gabriel Pajot. UD Canvas. New York Calendars. Francis Leblanc de White. JP, c'est que si tu payes le tracking, c'est que. Mettons-le que toi, aimerais avoir un paquet de, un paquet, tu aimerais ça avoir un paquet de top load. Tu veux des top load chez vous. Mais le problème, c'est que si tu nous commandes ça, il va falloir te charger le, le tracking. Absolument, parce que c'est comme. Ça ça y va au poids puis ça y va en grosseur. Donc, mais si tu payes le tracking une semaine, à partir de maintenant, vous allez avoir droit. À, il va y avoir une section qui va être. Si vous achetez le tracking, vous avez le droit d'acheter des produits là-dedans qu'on va vous choper. Ok, si jamais, tu... parce que si tu voudrais avoir des trépieds, c'est comme encombrant, faudrait le mettre dans une boîte, puis là ça nous coûterait 15 pièces de shipping plus le 5 pour les trépieds ce qui a aucun sens, ça fait que ça coûterait 20 pièces pour les trépieds, pour avoir 5 trépieds. Mais là, tu pourrais juste, si tu payes déjà le shipping, mais tu pourrais pogner l'option d'acheter des trépieds si tu veux, puis ça te coûterait 5 pièces de plus sur ton build. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Je sais pas c'est pas vraiment clair, là, mais on va l'expliquer euh, mieux euh, à l'écrit. World Wild, Canada pour Colorado. Frank Bellavance. Et là, on va avoir une portrait ici de Mitch Marner. Toronto. Et on va avoir une Young Non, on a une Retro Route, une Retrospective Montréal pour Tommy Gagnon, qui a fait un gros comeback là, euh, ces, ces temps-ci. Il a eu de la chance. Euh, parce que Tommy il participe plus au Mini et là, ça a porté fruit. Ici. Plus au mini ce temps-ci, est-ce de gagner des mini pour ce break là de qualité. Donc quatre boîtes. On est à notre première, la série 1, 20-21. Et après ça, on va enchaîner avec. Oh, oh nice! Les Black Cox the Clear Cut Foundation! Nice one! Kirby Dak et Monsieur Dominique Kubalik, les deux recrues qu'on veut voir hein, dans du 19-20. Donc wow, nice one! Et voilà. Clearcut Foundation, Chicago. Dave LaRoche! Et là, je vais vous avouer que j'ai pas sorti de grosse recrue jusqu'à présent, moi, dans les boîtes de stand de COP. Euh, autre. Est-ce que c'est celle-là? J'espère que c'est celle-là. La bonne. J'ai sorti comme... La meilleure... Le meilleur jeune que j'ai sorti, c'est une Overshadow de Kirby Dack. Malgré que. Et on a une petite Tyler Bertuzzi ici, Red Wing de Détroit. François Fleurant. Et on appelle les Canards chez Atro-Rivière. Nimiro Escanen, Dallas. Philippe Grenier, que les Docks et la Floride. Et on y va, c'est parti! Après ça, on va faire la moitié. Notre deuxième young Gun, c'est une Morgan Geeky, Do You Love Me? Hurricane. Vincent Begeron. Vincent Benjerant. Et voilà. Donc, chez Ping, aujourd'hui, tout a été fait, tout a été envoyé. Et là, à date, on a deux grosses rookies: Morgan Geeky et Zaggy Et une UD Portrait de Corner McDavid François Fleurant Beau team Avec la deux cup, là Et on a une Nicala Baudin pour Les Black OX Il le reste des basses Les Black OX de Chicago Dave LaRush. Maxime Perron qui tag son ami Steven Champagne Champagne Shower pub de Champagne Donc okay. Inquiète pas, Maxime. Il y a deux Maxime Perron dans notre groupe. On a Maxime Bandière en Perron et Maxime Perron. Et on a bien fait attention tout à l'heure lors du shipping. Pour pas mélanger les deux. On a un bon petit système là, qui commence à marcher euh, avec un taux d'erreur, de, pourcentage d'erreur très très bas. Là. Donc euh, on est bien content. Début date, Nick Suzuki. Mais il va toujours avoir des erreurs en passant. Là. Brent Wilkie! Dans la vie de n'importe qui. Il personne qui est parfait. Et on a une Clear Cut Nikita Gusev pour le, les Devils. Les Devils du de New Jersey. Eric LeBlanc. Okay. À sa deuxième année. Sophomore, comme on dit. Et là, on doit avoir une autre Young Gun. Et je pense que c'est une Nick Robertson. Et c'est une corner, McMichael, pour Washington. Nice one. Donc Washington, si on voulait une young gun, c'était celle-là GP petit. Connor McMichael. Qui était sur l'équipe canadienne cette année. Encore. My time is, my time is now! Me, my... Et le reste, c'est des basses. Canvas, Joe Marchesso avec son habit avec les shorts. Pour Vegas, Gagnon Il va avoir du Cody Glass. Hein? Avec World Wild, Nikita Kucherov pour le Lightning Tampa Bay. François Fleurent. Et on a une portrait de Gabe Villardi Qui va bien, lui, en ce moment. Oui. C'est ça qu'il disait à la radio, qu'est-ce qu'il y le fun? c'est vrai, on n'entend pas beaucoup parler là, des jeunes qui jouent dans l'Ouest, dans de division parce que là on est juste avec des équipes canadiennes. Là. Mais euh. Tout à l'heure il en parlait justement. là. De là. là. qui est Anderson? qui Anderson? Qui Qui? Qui Dans. The Young Guns, donc petit checklist, Dazur en dessous. Quand même! C'est la première la paire de défenseurs à Los Angeles, ça va quand même pas si mal à la... C'était Joey Bardo, Floride, nice, pour notre chum, Phil Grenier. Une... C'est The Kid, Pittsburgh, Predominant, Tommy Gagnon. Et là, on devrait avoir une un Young Gun, j'imagine. Non, c'était une Canvas. Canvas de Oliver eggman Larson pour l'Arizona. Je regarde, tout le temps les, les, je regarde tout le temps les paquets après voir s'il n'y a pas eu un oubli. On a un Young Gun ici. Est-ce qu'on a un autre Young Gun On a deux Young Guns là-dedans. Là-dedans, ça veut dire qu'on devrait en avoir quatre. Nice. Et on y va. Oh, Tyler Benson, les cartes collées. Donc, euh, ça, c'est les cartes qui avancent Tyler Benson, Edmonton. François Fleurent. Il va nous rester une dernière, Young Gun. Là, on va avoir un petit insert. De Jack Ackle, UD Portrait, Buffalo. Et il nous reste une Young Gun. Et c'est Gabe Villardy. Justement, on parlait des Kings. Et là, on a la Gabe Villardy Young Gun. Nice one pour Los Angeles. Steve Robitaille. Donc, on a une clear cut foundation, on a une clear cut base. Des Young Guns de Gabe Lardy, Young Guns de Corner McMichael. Donc, il y a quand même, une belle petite boîte. Belle petite boîte. Avec la clear cut de Gusev. J'aime bien, j'aime bien. Et on s'en va dans la artefact 2021. Où on retrouve les mêmes recrues et plus encore. Parce que là, les Redemption sont sortis. Fait qu'on pourrait avoir du Romanov, on pourrait avoir du, du Studzol. Et là. On met, qui? on met... On met qui? On met qui? On met qui? On met-tu... Je pense que je vais mettre Monsieur Villardy. Comme ça ici. Et on va laisser la clear code comme ça. Et on s'en va dans notre 20, 21. Et là, l'artefact, jusqu'à présent, moi j'ai l'impression que c'est un couteau à double tranchant. Soit qu'on a vraiment une belle boîte ou on a une boîte avec seulement des numérotés. Mais là, vous le méritez. Nous le méritons. Ça va être une super clean, super belle. 40 personnes qui nous regardent sur le groupe. Salut à tout le monde. Belle soirée de break. Il faisait beau, il faisait chaud. Le Canadien joue à 11h ce soir. Donc, je pense que le Canadien va gagner. j'ai juste ferai sentiment. Et on commence avec une Gabe Villardy. Tabarouette. Gabe Villardy, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, Gabe Villardy. Et voilà! Et voilà! Donc pour Gabe Villardy et Steve Robitaille. Effectivement, c'est un bon show, je te donne, Steve. C'est à toutes les recrues à date. Trop solide, trop solide, Gabe Villardy. Hein. Et ensuite, on va avoir une autre numéroté: deux bases des Docks. Et qu'est-ce qu'on va avoir en dessous? Une, Alex DeBrincat pour les Blackhawks de Chicago. Donc Chicago. Dave La Roche, on est rendu à notre deuxième board sur quatre. Après ça, on enchaîne avec la U-Cut et on termine ça avec la Belle de Cop base ici. Et là, ça sent, ça augure que peut-être on va jeter des, des numéros là. Oh. Jacob Voracek, la sixième sur 45 pour les Flyers, premier pour les Flyers pour Philippe benoît Boulet Donc Voracek numéro 95. Et encore une main. Et là, ça va être une Redemption. Redemption de couleur. C'est une redemption. C'est une wild card rookie redemption verte. 219, mais pourquoi la émeraude? Donc, ouh. c'est quelqu'un qui peut aller voir, c'est qui 219? Vous seriez des anges. 219 wild card rookie redemption. Donc, ça serait la verte. Nice, nice, nice. Encore une main si on a un autre rookie qui s'en vient une petite base et là est-ce qu'on va nous faire plaisir est-ce qu'on va nous faire plaisir et c'est une Morgan Geeky. Donc deuxième Morgan Geeky pour Vincent Bergeron. Donc la première c'était la Young Gun et là on a ça rookie artefact sur 999. C'est Vanichek. Pour les Capitals de Washington. Donc la Wildcard s'en va à JP petit donc, une émeraude verte. Donc, pour Vanity Check Capitals. j'ai totalement confiance en mon chum Steve Robitaille. Et là, on a encore des minces. Et voici une autre mince base. Et on va avoir une. Ça, vous Sur 499. La 142e pour le Canadien et Tommy Gagnon. Et là, est-ce qu'on va se retrouver avec une boîte sans chandail J'ai bien l'impression que oui. Base de qualité chez Deck. Une petite André Vasilevski sur 75. Seulement la 24e. Et il y a un coin Magané en bas. Regarde ça ici, Tampa Il y a un coin blanc. Donc, je voulais te le dire. Tampa Lightning, François Fleurant sur 75. Et dernière carte. Dernière carte, Geeky. Base. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une roo Retro Rookie Redemption 6. Donc, ça aussi, il va falloir voir c'est qui. Donc, là, ici, on savait que c'était la Vanity Check pour les Capitals. Et la Retro Rookie Redemption 6. À qui c'est Je vais checker ça tout à l'heure. Et là, on s'en va dans la Clear Cut. Donc, c'était pas une grosse boîte, malheureusement. Malheureusement, mais peut-être que ça augure pour la Clear Cut. La Clear Cut tam, 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 tam. Ok. C'est quoi ça? Hey, C'est Batman qui court. J'avais oublié. J'avais oublié. Donc, Hollander, Vancouver. Vancouver, Miguel Asselin. C'est à toi, la rétro, rookie. Nice one. OK. Et là, nous sommes rendus à la clear cut. -cut 2019-2020. Et là, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Ah. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? On a une Rasmus Sandin. Black Amber! Ça, c'est une belle carte! Donc je suis pas déçu par tout Black Amber Rookie. Rasmus Sandin! Pour les Leafs de Toronto! Christophe Grenier! Pas du ton nom une fois ce soir, mais là tu te retrouves avec la clear cut. Black Amber! The time is up, uh, time is now, uh, you can see me Donc Simon Poitra qui annonce sa retraite malheureusement à un, si jeune, à un si bas âge Donc Simon qui décide de quitter Ça dépend, Simon qui a les sabres et attends, là, on pourrait peut-être avoir une petite Victor euh, Olofsson c'est basant de Victor Lovesun, il recherchait en ce moment. Dans la De Cop. Et maintenant, et je vais faire comme d'habitude. Attends. Une nouvelle chanson. Et on est rendu au Mini-Vert, mesdames, messieurs. De Cop. Ah ouais. La De Cop. Le Saint Graal des boîtes de hockey. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Donc l'alignement partant, le main event c'est ça ce soir La grosse boîte La Deux J'adore cette chanson. Et on est maintenant rendu au moment que tout le monde attendait depuis le début de ce break. Ding! Et maintenant... Je sais, c'est long, mais ça fait partie du processus d'être sûr à 100% qu'on ne m'en gagne pas les cartes. Ok. Êtes-vous prêts? On n'a pas de bouclette, mais c'est pas grave. Et là, je vais éteindre la musique. Et c'est vrai, je dois mettre mes gants. Je vous ai promis ça. Pour être. Vrai... Ouais, ok, c'est beau. Deuxième. Mais je les ai amenés proches du site, là. vous avez mis où, mes gants Je vous avais apporté ça. Vu que c'est pas des cartes que j'ai à glisser, là. Regardez bien ça. moi, là, je vais faire ça pro, en hein? Si, man, vous allez capoter, man. Regardez ça les gars, Docteur Bombardier, man! Ok, êtes-vous prêts les gars? Êtes-vous prêts les gars? Ça fait longtemps j'ai pas break avec ça. Donc première carte, qu'est-ce qu'on retrouve? Nous retrouvons une Patrick King! Patrick Kane pour les Hawks de Chicago. Et savez-vous quoi? C'est tellement glissant avec des gants là, que je vais les placer comme ça. Je ne mettrai pas d'insleeve sleeve tout de suite parce que je ne serai pas capable. On va aller en dessous. Et en dessous. On a une printing plate 1-1 pour Edmonton François Fleurin. Donc, Gaydon Hayes, la Yellow Plate, la 1 de 1 de Gaydon Hayes. Seulement un seul exemplaire de cette Printon Plate. Et c'est. Et c'est laquelle celle-là Est-ce que c'est ça, Young Gun C'est le Base 7 Stature. Donc, c'est la plate utilisée pour les Statures. Et là, regardez bien, on va essayer. là Ben, c'est ça. Là, avec. se ouais, passe pas si Avec Quand j'ai essayé au début, ah là... oh, c'était tellement plus laborieux, j'avais tellement de misère avec les gains. Là. Et voilà, et on va mettre ça dans le 180 Mais j'étais aveugle de ça les gants au bout de mes bras là, pas vraiment euh... Est-ce qu'ils me font bien les gars? Est-ce que vous trouvez ça beau? Ça c'est trop beau hein les gars Et voilà Je faisais ça au début pis euh Je me souviens en pourquoi je faisais le jeu pas que à un donné. Deuxième carte Ouh, Jonathan Davidson, Ottawa, patch trois couleurs, Maxime Vincent on n'a pas dit ton nom souvent ce soir, mais là t'as une une Auto Patch Rookie, la 11e print! 11e print, 11 print! 11 print! Vous voyez on que ça me fait shaker comment ça va pas bien, N'oubliez hein? ah, ah. ah, yeah. pas que c'est un show ici, hein? 50 personnes qui nous regardent! 50 personnes qui nous regardent! Donc, une petite... Euh, Et on s'en va voir. Il nous reste trois autres cartes. Il ne faut pas que ça soit genre un jersey. On a une base rookie. Donc une base rookie, donc une sur 249 pour Toronto. La 26e. Toronto, donc Christophe Grenier pour Timi Timitro Timachov. Rookie, numéro 41, l'elier gauche. Je vais la placer ici on va aller voir, on a un autre rookie en-dessous Une signature de Rem Pitlick pour Nashville, Tommy Gagnon Donc signature la 30e seulement sur 36, donc une signature gold la 30 sur 36 La 30e Et ça ça mérite d'être mis, et là je vous dis, la prochaine carte, moi je pense que c'est un SC, gros hit Je vous le dis là, ça va être un gros hit Et regardez-moi aller avec mes petits gants comment J'aime ça. Hein? J'ai-tu de la misère avec mes petits gants? Profitez-en parce que vous n'allez pas me voir souvent avec des petits gants. Hein? Et voilà la signature de Rampitlick sur 36 seulement. 36 seulement. Et ça, on va mettre ça à la place de personne. abonnez va venir ici. Elle va venir ici. il nous reste seulement une carte, mesdames, messieurs. Et quelle est-elle? Est-ce que j'ai bien fait de porter des gants? On a une Kirby Dak, Un Rookie Autopatch sur 77, ok? Hein, C'est le Jersey Number, donc 68 sur 77. Donc là, trois couleurs Kirby Dack Chicago! mais oui, Chicago! Dave Laroche qui sort grand gagnant de ce break-là! Et là là, la, la Rookie Autopatch Exquisite Collection! Et la 68 e sur 77! Oh la 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 la! Gros hit, mon chum, gros hit, pis ça mérite un autre tour! Money, 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 money! Yes, sir! Grosse carte! Et ça, ça mérite! Ça mérite quoi? Que j'enlève mes c'est yeah. là. Ça va aller dans un. Dans un quoi? Ultimate Car yeah. Let's go! Ça s'en va là-dedans! Et, là, et voilà. Et ça, évidemment, on met ça dans un one-touch. Donc, grosse carte, grosse carte. Kirby Dak, numéro 77. Rien de moins. Et je confirme que ça va aussi mal, finalement, à reporter des gains. Je leur ferai beau. Donc, la grosse patch. Et on a eu beaucoup de rookies dans euh, cette, cette de coupe là, honnêtement. Donc, plus que d'habitude, j'ai eu une seule que t'as pas une rookie et c'était Patrick Kane donc félicitations Kirby Dack Chicago Dave La Roche félicitations mon ami c'est les gars tu penses c'est les gars? Moi, je ne pense pas pense pas donc quand même une Joe Davidson quatre couleurs allez on va aller voir un peu rapidement ce qu'on a eu depuis le début donc d'abord on a eu la The Young guns, Connor McMichael et Nicolas Baudin. Morgan Geeky, Do You Love Me? Zagidoulin, Tyler Benson, une Clear Cut, Nikita Gusev, une Young Gun de Gabe Villardy. On a eu la Geeky dans la, dans la petite artefact, une Clear Cut Foundation, Kirby Dax et Dominique Kubalik. On est allé ensuite, on ouvre à la Clear Cut. Dans la Clear Cut, on a eu la Black Amber Rookie, Rasmus Sandin, Toronto, Black Amber Rookie, très très belle carte. On est allé après ça dans notre belle de cop, et on a eu deux base, une Rookie. De Timi Dimitro, Timachov et Patrick Kane, base vétéran. La signature de Rem Pitlic sur 36 exemplaires, la 30e pour Tommy Gagnon. L'autopatch 3 couleurs sur 2,9 de Jonathan Davidson pour les sénateurs. Une Print and Plate, la yellow de 1 de 1. 1 de 1 seulement pour Elmonton, François Fleurent. Et pour terminer, on a eu la grosse carte, la Kirby Dak. Auto, j'ai regardé comment la patch est gigantesque. Trois couleurs, 68 sur 77. Et voilà, Kirby Dak. Et ça, ça serait mon top 3. Eh, eh, ouais, ouais, ça serait mon top 3. Et euh, mention spéciale, évidemment. Ça serait celle-là ici. Hidden Ace, auto patch. Et mention spéciale à la Murphy League Non, non, ça serait celle-là. Non, 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 non. Oh non, ça serait celle-là. Et voilà. Donc, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je m'en vais voir le football. Ici, le football est plein. On pense ça. Sinon, je pars un mini. Et on pense ça bientôt. Il est 8h. On a déjà terminé. Tabarouette. Ça va vite avec vous autres. Ça va vite avec vous autres. Ça va vite. Eh oui, Olivier. Merci à tout le monde. Merci à Mathieu Gormé. Merci à Simon Patra. Merci à Vincent Bergeron. Merci à Dave Laroche. Franck, Belavance, Jean-Michel Biron. Yannick Gosselin. François Fleurent. Steve Robitaille, Savez-les cuits. Gagnon. J'ai Leblanc, le que ça c'est le blanc. les Grenon. Maxime, Vincent, Benoît Boulet! Christophe Grenier, Michael Aslan, JP Petit, David de la Chevrière, Charbatière, Phil Grenier. Merci tout le monde. Ciao.